La chronique Info Travaux vous est présentée par la Ville de Saguenay qui vous rappelle qu'elle travaille pour vous à l'amélioration des infrastructures municipales. Voici Marie-Hélène Lafrance du service des communications. Dans l'arrondissement de Chicoutimi, le rinçage du réseau d'aqueduc est toujours en vigueur dans le secteur nord, plus précisément dans les quartiers Sainte-Claire et Sainte-Anne, et des travaux sur le réseau d'aqueduc débuteront également cette semaine pour les boulevards du Royaume, Sainte-Geneviève ainsi que la rue de Paris. Les travaux de réfection en cours sur la rue Roberge et le chemin de la Réserve se poursuivent jusqu'au 24 juillet. Dans l'arrondissement de Jonquière, on s'attarde aussi à des travaux sur le réseau d'aqueduc, notamment sur la rue Pasteur, et du rinçage est également à l'agenda pour les secteurs Fatima, Mathias et le quartier des Peintres. D'autre part, la réfection majeure de la rue de Frontenac se poursuit dans cet arrondissement jusqu'à la fin juillet. Nous profitons donc de l'occasion pour rappeler à la population que tous ces travaux au niveau des aqueducs peuvent provoquer des épisodes d'eau jaune ou brouillée. Pour ce qui est des réfections de pavage, des travaux se déroulent un peu partout à Saguenay, entre autres sur la rue Saint-Dominique jusqu'à jeudi pour l'arrondissement de Jonquière. À Chicoutimi, le pavage se fera sur le boulevard du Saguenay, la rue Roussel et le chemin Saint-Pierre, alors que du côté de la baie, les travaux se concentreront sur les rues des Angéliques, des Marguerites ainsi que le chemin des Chutes. Pour plus de détails sur les travaux en cours, consultez la section Info-Travaux sur le site Internet de la Ville à ville.saguenay.ca.